Quand nous sommes fanatiques TV, la Kaye Haïti.com, bienvenue encore une fois, mesdames et messieurs, sur Channel pour la Channel Information. C'est un plaisir pour nous continuer à informer durant la journée, ça, qui c'est dimanche, mesdames et messieurs, 3 novembre 2024. Gros nouvelle qui a fait actualité dans le pays. Encore une fois, commissaire Muscadet frappe fort, il a dit frappe fort, oui, frappe fort. Et bien, côté monsieur arrivé, Blaye, Toulon, et il y a un gros évadé prison, mesdames et messieurs. Eh bien, qui lui-même nous connaît, qui débarque dans le plan là, eh bien, pour aller simuler la trouble. Et commissaire Muscadet, eh bien, mettez monsieur un côté, et donc, pour nous pas jamais voir encore, parce que, et yo là, qui ont même déjà un plan pour Léogane, eh bien, je dis à la commissaire Muscadet, quasi de toi évadé, eh bien, sans pitié, mesdames et messieurs, commissaire Muscadet, voyez monsieur Al-Kaïbaon, voyez monsieur Al-Jouen Oudma, voyez monsieur Al-Jouen collègue, parce que c'est ça la population a besoin. Nous avons la question de tolérer bandits, nous avons tolérer évader prison. Si tout n'est ça, c'est des anciens gros bandits au TE, et bien Muscadet, voyez monsieur Kaïbaon, nous allons inviter au gain de taille. Gros déception encore une fois pour l'armée d'Haïti, et bien qui a même une vingtaine de nègres qui prennent dans le pays la France pour aller prendre formation. Après la bataille, nous filmons face en français, et bien côté. Et donc nous ratiboiser nèg sa yo jusqu'à ce que donc nous gagnons bataille ça. Et je dis qui côté l'armée d'Haïti pour aller prendre formation, c'est la France. Est-ce que nous comprenons, mesdames et messieurs, dans qui ça nèg yo lagué pays à là? Est-ce que nous comprenons dans qui ça nèg yo lagué Haïti? Si nous battons l'armée et puis je dis là pour c'est l'armée ça nous pour prendre formation, est-ce que nous comprenons? Bagay la grave, franchement. Et nous pas connait nèg ki nan tête pays ça, et ben à qui ça yo pense, si c'est à derrière yo ou bien si c'est à tête yo, parce que nous pas ka di pou nous fin et faire victoire sur l'armée, je dis sinon même nous pral prendre formation. Hein? Bagay yo grave. On écoute plus détail n'ap tourner. Commissaire Muscadet qui toujours dans actualité, nous capable dire dans ville Okaï dans 4 semaines commissaire Muscadet, et ben qui est là. Nous capable parler dans cas étendu avec un évadé, nous capable parler qui est le commissaire d'être enquêté, et est arrivé perdre la ville en bas même commissaire Muscadet, et commissaire Muscadet qui continue à faire ni département du plan, ni département Sida, et nous connaissons le département Sida lui à peine gagné. Il y a un nouveau, nous allons parler commissaire, et est l'autre qui sort dans ce gouvernement, et mais ça va empêcher le commissaire Muscadet de continuer à battre dans le département Sida Léon. Bon, les gens considèrent la quantité de bandits dans le pays, et le commissaire Muscadet n'a pas décidé de baisser les bandes, comme une petite pierre lancée dans le champ, ça veut dire, mais c'est en pile. Bon, et bien, pour résumer, nous, le commissaire Muscadet qui continue à traquer bandits, commissaire Muscadet qui continue à le développement sud-là avec un département du plan qui est un défi pour en pile bandits. Il y a même qui continue à piaffer dans la zone métropolitaine, dans la capitale. Mais dans la capitale, il y a des gens qui font ça, ils veulent, ça, ils veulent plutôt. Mais nous avons dit dans deux départements qui étaient, ils ont un vêtement. Nous avons parlé de deux départements qui étaient, ils ont six métiers pour faire bandit. Il y a même quatre là, mais qui font aller ouais, et nous avons parlé dans le département. Mais il y a un peu à l'ouest familial ou bien tout. Je pense que pas gagné une antenne qui se domine. Mais le commissaire Muscadet toujours dit ça. Et bien, nous avons parlé du département du plan avec le département Soudan. La prêté, ils ont des filles pour eux. Et le commissaire Muscadet dans le plan, Muscadet a peine blessé mortellement. Ils ont individu sur le 4 semaines en ville au Cayenne. Tout ça, c'est un évadé que la justice a été condamnée pour pas se résumer dans la prison. Quand ils sont vivent ensemble dans la guerre, en gros projet, nous allons parler, citoyens, ça n'a pas été résumé, qui passait de la vie à trépas, commissaire Muscadet lui-même, il dit département, il n'y a pas ni pour les gars, soi-disant, et qui sont dans la prison, sauvés dans la prison, vont aller voir pour les gars qui ont théorisé la population dans la zone métropolitaine. Il a attaqué la communauté hispanophobie, côté qu'il a attaqué le pays et. Nous avons parlé de Puerto Rico, pays Puerto Rico, mais actuellement la Dimi, nous avons pas dit son situation qui est très chauffée aux États-Unis avant que les jours soient même arrivés. Et sans oublier au niveau du pays d'Haïti, nous sommes là, et bien, et plus environ vingtaine militaires FADS qui déjà prennent son pays, la France, pour avoir une formation
Nous allons parler de ça et sans oublier tout, nous sommes là au niveau du département sud-est. Il y a une jeune dame qui tue ménagie par rapport à ce bal menti. Si vous êtes qu'elle pas le voyager, tout ça, c'est pas vrai. Nous allons parler d'ensemble de ça. Encore une fois, nous saluons tout le monde. Encore une fois, nous saluons Salomon. Eh bien, Léonel a entré avec information. Yo, nous parlons là au niveau de Solino Front National. Après la police. Et avant nous entrer dans le niveau national, effectivement, oui, nous allons entrer dans la question FADH, militaire d'Haïti, plus de 20 militaires, l'armée d'Haïti, a quitté le pays, dimanche 3 novembre 2024, dans la direction pays la France, pour suivre formation dans la coopération bilatérale en deux pays. D'après l'information, nous avons une formation qui va permettre un renforcement de capacité opérationnelle, et nous allons parler force l'armée d'Haïti, Emmanuel Améa, et c'est pour j'arrête, et bien monsieur, il y a 20 militaires là dans la mairie d'Haïti qui a quitté Pléa, qui a pris direction la France dans le cadre de formation, mais dans le cadre de coopération bilatérale en deux pays. Mais information, je vais nous arriver à genoux, on va permettre de renforcer la capacité opérationnelle dans le cadre de bataille contre Gagnon, Léonel. Mais quelque part, nous sommes là, parce que 20 militaires sont spécialisés pour capables. Et bien, former l'autre militaire, mais quand même, nous, comme on dit, sont beaucoup quand même pour l'armée d'Haïti, Léonel. Bon, nous, comme on dit, il y a un vide, il y a un manquement, il y a la kin qui gagne dans l'armée, hein, en ce qui a fait avec des manières pour piloter hélicoptères, pour capable et manier drones, et ensemble des capacités, ça, qui a pu se renforcer au sein de l'armée d'Haïti. Et bien, plus de 20 militaires déjà quitté le pays, pour qu'on revienne dans le pays la France. Eh bien, d'après l'information, c'est pour être capable d'essayer essayer combler la lacune ça, pour mettre les messieurs capables de capacité, pour capables de manœuvrer gros matériel pour gagner à disposition dans les mois à venir. Toutefois, nous connaissons toujours bien si nous, puisque c'est pays la France, mais nous capables de dire, c'est une capacité en plus, et messieurs ont gagné pour être capables de gagner l'armée qui plus ou moins provisoire. Voilà, pendant ce temps, on va avancer, nous partons de la nulle. Et ces gens qui nous suivent sur l'écran, mesdames, messieurs, nous voyons que c'est plusieurs militaires FADH. Et nous voyons que ces messieurs vraiment bien frais. Hein? Et seul problème qui est là, c'est bon, nous toujours dit le problème, non, c'est la France. Nous comptons très bien par ces histoires que nous avons avec la France. Et pour qui ça, c'est la France? Pour qui ça, c'est pas l'autre pays? Parce que nous voyons que Haïti, quand même, y a un très bon partenariat avec le Mexique. Y a souvent une formation au Mexique. Et puis, je dis à là, nous, c'est la France. Bon. Et c'est sûr et certain, bon, je connais ça, fait que quelqu'un réagit, évidemment. Mais quand même, nous regardons, monsieur, là, où ils ont décidé, et ils ont prêt pour faire le travail, pour venir utile le pays. Mais ou même, qui sont comprennent l'effet que c'est la France. Et comment comprendre ça? L'effet que c'est la France que monsieur, ça va prendre pour formation. Pas oublier, pas gain hasard. Ils ont pas fait rien par hasard, je dis à là. Et par contre, ça, on a ça, Salomon, frère. Eh bien, Jimmy, nous avons dit, pas oublier formation militaire, et pas oublier l'autre, la France, les États-Unis, le Canada, et c'est un pays, dans le cadre militaire, formation militaire, yo, très avancé, et la France et la Russie. Mais par rapport à le pays, yo, très avancé, mais malheureusement, et nous avons dit, Équateur aussi. Maintenant, là, 20 militaires, ça, Jimmy, moi, pas ce que je veux apprendre. Même les gens nous ont dit, bon, c'est aussi des formes. Mais quelque part, ils ont une formation que nous avons prendre. Et ils ont une formation que nous avons prendre quand même pour faire une expertise avec l'autre militaire. Moi, je pense que c'est un bon choix, mais qu'on a dit, c'est qui service à venir. Pour les moyens, ce n'est pas une formation pour formation. Maintenant, avec une formation, mais est-ce qu'il y a un service avec eux? Est-ce qu'il y a un matériel? Salomon, il y a pas pour bon matériel, Salomon. Ça c'est responsabilité pour. Il y a déjà bonne formation. Nous sommes pays les grands monde là. Mais il faut nous suspendre comme si tout le monde n'y a pas qu'à tout abandonner nous. C'est nous pour acheter à faire. Nous c'est nous pour responsabilité. Nous mobile là, mobile pas exister. Vous comprenez? Si toi en politique, si toi en affaires, pareil mobile. Comme si tout ça a besoin, c'est acheter pour acheter. Vous comprenez? C'est pour le ministère de Défense, pour dégager, pour acheter le matériel qu'il a besoin. Mobile, ici, dans le pays étranger, l'homme nous fait un bagage, l'homme nous fait un bagage, on pose des questions, on va aider ça.
nous-mêmes, nous ne pouvons pas attendre quoi que ce soit que le monde prenne le bon nos bagailles. Ils ne sont pas pour nous quoi que ce soit. Nous ne pas louer nous ça. Vous comprenez? C'est nous-mêmes qui pouvons prendre la responsabilité. Nous besoin de drones. Pour nous acheter drones, nous avons besoin d'hélicoptères. Pour nous acheter l'hélicoptère, nous tout ça, nous besoin pour nous acheter. Pas le monde, le monde n'a pas doué nous en rien pour venir ban nous. Mobile a pas existé, mesdames, messieurs. Bon, ici, nous disons, là, nous faisons un bagage, on va poser tête aux questions. Mais j'en nous dis, c'est la France, c'est pas la information, ça. Moi, il y a un peu de monde qui n'est pas content. Bon, évidemment, moi-même, mon obligé de un petit genre indécis sur ça. Parce que nous, on voit que, bon, aujourd'hui, il y a eu un peu de formation, ça, au Mexique, et pour pas dire Équateur. Mais bref, je pense que c'est ministre défense, hein, qui compte pour qui raison qu'il a accepté et pour formation, ça, bon côté la France, sachant très bien passé historique, non. Passé historique, nous, avec la France, c'est pas un bagage qui est facile, mais en même temps, tout, comme son gouvernement qui va gagner dans le figuigle, qui l'a tout, comme son gouvernement qui fait n'importe quoi, donc, nous sommes capables de comprendre ça. Mais l'essentiel, c'est que formation, ça, l'a utile.